Attends, mais pourquoi c'est une Kikli et pas une Delphoi? Et salut à tous, c'est Tito Coflet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo, vidéo siège. On est contre Leibu, donc une petite guilde française, et God's Army. Donc deux guildes dans le G3, deux bonnes guildes dans le G3, je pense. Donc j'espère que cette petite vidéo te plaira. Si c'est le cas, bien n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu. Et nous, on est directement parti avec les premières offenses. Offense numéro 1, on est contre une Byung-Chul, Zeratu, Tianlang. Et on va partir avec une autre offense que je joue beaucoup, Jianna, Elenoa, John. Donc Jianna qui renaît en Swift Wield avec du multi à gauche à droite. Là, Elenoa, comme d'hab, en Despair Wield avec à gauche, un peu de multi à droite, accuracy skill 2. Et le John, comme d'hab, View Wheel, bien offensif. Dégâts des bombes à gauche, à droite. Et c'est parti. Objectif, c'est, je pense, contrôler quand même le Zeratu. Et une fois que le Zeratu est mort, normalement, on est plutôt pas mal. Savoir que si on rate sur le Zeratu le strip, la game peut être très compliquée. Ok, très bien. Du coup, on a raté quand même pas mal de trucs, l'air de rien. On va quand même reset ici, mettre la bombe là autour. Et on va faire un skill 2 là-dessus. Voilà. On va faire un petit skill 2. Nous aussi, après, on va pas gagner beaucoup d'ATB, mais suffisamment, je pense, pour passer devant mes deux mobs ici. Ah, non. C'est pas grave. En vrai, c'est grave. En vrai, c'est très grave. Mais du coup, c'est pas grave. On va pas donner le tour quand même avec ici notre... Notre Elenoa, ça trigger pas le hyper. Et on va aller mettre une bombe autour ici parce que je veux le reset aussi si jamais je foire la bombe. Voilà. Comme ça, on est sûr que ça meurt. Là, c'est stun deux tours. On a à nouveau le stun ici avec la Jianna. Donc, on peut mettre une bombe et stun tout le monde. Du coup, on est plutôt pas mal maintenant. Voilà. On va les reset là. Ça, c'est mort. On a le skill de à nouveau. L'avantage de cette compo, c'est qu'on a vraiment tout le temps nos CD. Le seul problème, c'est si la Jianna foire ses spells à l'open, ça peut être très problématique. Et pour l'instant, on n'a pas eu de soucis avec. Allez, offense numéro 2, on est contre Yunu, Neftis, Lionel. On va partir sur Veromoz, Juno, Léo. Donc une offense plutôt safe avec un Léo bien tanky. À gauche, on a mis une réduction vent. À droite, on a mis un peu de crit damage réduit. On a une Juno en view wheel, très tanky aussi. Sans crit, à gauche, à droite, multi DHP. Et on a Veromoz en view Nemesis, bien tanky aussi. Réduction vent à gauche. Et à droite, on a mis un peu de recovery skill 3. On tanque le premier tour et on rebound au T2. Donc forcément... Bon, on n'a pas le premier tour. En vrai, je peux désynchroniser. Voilà. C'est quoi? Comme ça, les dégâts ici, bah, ils sont pas si, si fous que ça. Voilà, comme on peut le voir. Et on va les focus le Yunu, je pense, qui est plutôt tanky. Je pense qu'on peut aller dessus directement. La vérité. On va juste veiller à quand même perdre le break def avant. Parce que sinon, ça peut être problématique. On va faire skill 2 pour mettre des CC. Et si ça meurt des dots, c'est limite encore mieux. Hein. Regarde, on fait pas de dégâts, on met juste des dots. Là, ça meurt prochain tour. On peut directement aller sur la Neftis, par exemple. Voilà. Et là maintenant, on peut aller tuer Yunu. Le deck Yunu est mort en fait, en vrai de vrai. On a quand même ici une Juno qui est plutôt sympa pour solo. Le Veromoz qui met 4 têtes, ça me fait rire. Il aime trop ça. Allez, offense numéro 3, on est contre une Laura, Gisèle, Maximilien. Des bons LD, hein, on voit de vrai la vérité. Nous aussi, on va prendre des bons LD. Regarde, on va jouer notre Ragdoll, Seme et un petit Kinky. Donc Seme en Nemesis, Will, bien tanky Sandrez. À gauche, j'ai mis une petite réduction d'arc à droite, speed en fonction de HP perdu. Le Ragdoll, un petit vieux Will, plutôt tanky en DCC. À gauche, réduction d'arc à droite, crit damage skill 2. Et enfin, on a le Kinky en vieux Will, bien tanky aussi. À gauche et à droite, on a mis du multit. Allez, c'est parti, on tanque le premier tour et on rebond au T2. Objectif, tuer le Maximilien le plus vite possible. Du coup, est-ce que Laura derp? Non, elle fait son petit skill 3, la classico, proc violent. Petit proc violent, le petit skill 3, skill 2, comme un RTA. Du coup, on prend des dégâts assez costauds, en vrai. Oh, attends, mais je vais mourir. Non, si il proc, je suis mort. Vous, je pense à cut. Elle fait pas trop de dégâts à la Gisèle, je pense. Elle proc pas. Ah, mais il me lap. Oh oh, il en heal. Et il proc. Le petit slip, ok, le petit slip, bon, ok. Ah, d'accord. Bah, c'est chaud là quand même, hein, la vérité. Attends, il s'est passé un truc là, non? ouais. Ok. Est-ce que je peux le faire ou pas?
Pinky? En vrai, si je perds Semé et Lentil, c'est compliqué là par contre. Lentil m'embête, je me suis saine pas. Et l'autre là, elle arrête pas. Là, la Gisèle, je peux plus la gérer. Ouais, je vais tuer, mais je pense pas que je vais enlever à la Gisèle. Ah, je tue même pas. Oh, mais c'est une folie par contre ce que j'ai pris. Oh, mon dieu. Bon, normalement, je devrais tuer. Je pense pas que je vais enverser cette Gisèle. Hein. Yeah. Passe pas hautement passif, ça c'est déjà une bonne nouvelle, mais j'ai tellement peu d'ouverture pour le tuer que je pense que je vais me faire un V1. Ok. Faudrait que je proc violent en fait. Ouais, si je proc violent, comme lui là, peut-être qu'il y a moyen, mais là ça va être compliqué. Ouais, regarde-moi ça, frère. Je fais pas autre proc là, hein. En vrai, si je proc violent. En vrai de vrai, si je proc violent, il y a peut-être moyen. Ah non, il n'y a pas moyen. Ok. Allez, offense numéro 4. Bon, on a perdu, du coup, il faut qu'on fasse des offenses un peu plus tryhard pour pas terminer en 8-2 ou en 7-3. Du coup, on va partir sur une offense Julie contre cette truffe Eshir Siri Dark avec un Bernard qui est en suivre très rapide, un Galion pituné, même trop rapide, en bio et une Julie. Bien rapide aussi, avec à gauche et à droite du multi de l'attaque. Objectif, cleave. Alors du coup, ok, c'est peut-être anti-cleave. Non, à mon avis, non, c'est trop rapide. Je pense pas que ça le soit. Mais en tout cas, le chien va pas tanker, c'est sûr. Ok, nickel, ça passe. En vrai, je rigole, les gars, j'avais la faute. J'ai pas du tout blind avec Julie. Non, c'est mal me connaître. Offense numéro 5, on est contre une Fermion Bionchou Lachour et on va la cleave avec une Nikki, Eludia et Vandan. Vandan qu'on a runé full knocker, comme tu peux le voir, avec comme artefact à gauche, à droite, du crit damage en fonction de mauvais état. On a Eludia qui joue première en Swift Blade, avec à gauche, crit damage bons états, à droite, accuracy skill 3. Et enfin, on a une Nikki qui est full knocker, qui joue au second, avec à gauche, à droite, du multi de l'attaque. Objectif, cleave. Bon, du coup, on joue premier, parfait, on va pouvoir faire skill 3 directement. Est-ce qu'il y a du Nemesis? Y a pas de Nemesis, on met les break def, du coup normalement ça devrait pas tanker. La Nikki va mettre des bons petits dégâts et normalement Vandan devrait tuer. Alors c'est vraiment très très tanky sur le coup, je m'y attendais pas, mais normalement on devrait tuer. Pouf et pouf, et en plus on met le silence, t'as vu, incroyable. Au force numéro 6, on est contre une Vritra Eshir Siri Dark. On va partir sur une Jultan Shaman et Kiklid, donc 1 T2. Triple Revenge Jultan très tanky, à gauche réduction light, à droite peu de reflect damage. La Delphoa Sandrez, bien tanky, avec à gauche réduction dark, à droite recovery skill 3. Et enfin, un petit shaman en vio, will en DCC, avec à gauche comme artefact dégâts sur dark, à droite crit damage skill 2. Donc on veut tuer Siri en première, puis on ira sur Vritra et on terminera par le Eshir. On n'a pas le premier tour, normal. Ok, il y a le break def là-dessus, parfait. Alors on va faire le skill. Attends, mais pourquoi c'est une Kikli et pas une Delphoa? Pourquoi j'ai rené une Kikli? Attendez, je viens de me rendre compte. Pourquoi j'ai une Kikli? Attendez, c'est pas une Delphoa ça? Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ok les gars, regardez-moi ça, la tech. Regardez-moi ça, la tech. Non mais la tech est bossée, je vous jure que la tech est bossée. One shot ça, vous inquiétez pas. Alors c'est du désespoir, on a la bulle, regarde. Guide-moi ça. Attends, mais shot roller, mais c'est... Attends, mais c'est illégal comme shot roller. What the fuck. En plus, je pense que dans la présentation, j'ai dit Kikli, on est d'accord. Oh non, c'est trop grave. Non, mais what the fuck. Non, mais c'est bossé, les gars, mais sérieux, Kikli, c'est broken, regardez-moi ça. Alors du coup, en force numéro 7, les gars, je vous promets qu'on essaye de pas troller cette fois-ci. On est contre une Carcano Iris Guillaume et on va y aller avec une Eshir Icarus Myang, donc c'est bien les trois mobs, ok. On a l'Eshir rapide en Swift, à gauche, réduction d'arc, à droite, multit. On a la Myang qui joue en second, elle est bien offensive en crit damage, multit à gauche, à droite. Et on a la Icarus qui est bien rapide aussi en Swift, à gauche, dégâts sur feu et à droite, recovery skill 2. Donc l'objectif, on one-shot Carcano à l'open et puis après on tend comme un chef Guillaume Iris, on va tuer Guillaume puis on va tuer la Iris. Et on n'oublie pas le objectif cleave. Donc on outspeed. Très bien. On va faire un skill 2 ici. Hop. Oh les dégâts. Bon, on va quand même assurer le coup. Voilà. Et maintenant, bah, on va taper là. Tranquille. On n'est pas pressé. On attend de récupérer 2 CD.
Je suis juste sûr de celui-là, hein, en vrai. Ah, mais dans Revenge. On va se heal avec notre petite Miyang. Voilà. On va les taper là, on va éviter les Revenge. Je suis sûr de celui-là, il n'y a rien d'autre à faire. On doit attendre de récupérer nos CD ici. On va mettre un Glancing là, par contre, si on peut. Ok, on ne met pas. Oh, ça a l'air d'être full offensif. Faire attention. En vrai, on prend cher quand même. On se fait full sun. Ok, on le one shot, incroyable. Mais la Iris, elle y va, hein. Regardez-moi ça, cette Iris. Incroyable. Elle fait trop de dégâts. Et elle fait que Sun Despair. Elle est incroyable. C'est du jamais vu. Regarde-moi ça. Wow. On one shot. One shot pas. On tue. On tue. Parfait. Et du coup, force numéro 8, on est contre une Julianne, Byung-Chul Nana. J'ai oublié de Poumbeek. En vrai de vrai, on est obligé d'objectif cliff avec Poumbeek, les gars. Robot et Galion sur le coup ici. Donc, un Galion rapide en Vio. On a le robot rapide en Swift avec à gauche comme artefact de multi-hit. Et le Poumbeek. Voilà, full knocker, vous le connaissez. À gauche, dégâts sur haut. À droite, crit, damage, skill 3. Objectif cliff. Bon, notre speed. Ok, il y a un Will enlever, s'il te plaît. Non. Ok, bon bah du coup on doit aller sur on doit aller là-dessus, pas le choix. Mais on n'a pas du coup les bons dégâts. En vrai de vrai, je pense qu'il y a quand même moins qu'on tue ici à droite, hein, en vrai de vrai. Quand même, il est tellement squishy, je pense qu'on tue. C'est bon, c'est fine. Mais oui, c'est fine, regardez-moi ça, ça... Quoi? Non, non. Ok, on peut le faire. Je vous jure qu'on peut le faire. On va le faire, les gars. On va le faire. C'est bon, c'est calibré tout ça. C'est calibré. Ok, c'est fine. Allez, offense numéro 9. On est contre une RT de Vigor Triana. On va y aller avec une Syra Etna Jeanne. Donc, on a une Jeanne qui va full tanker. Bien tanky, un peu de speed. À gauche, réduction d'arc. À droite, on a mis un petit peu d'accuracy skill 3 pour être capé. On a une Etna qui est en bio saut. Avec à gauche, à droite, deux multites. Une Syra. Voilà, en bio wheel. À gauche, on a mis dégâts de bombes à droite. Tout pareil. On va tuer la Triana en première. Puis, on ira sur Vigor. Et on terminera par le RT. Donc là, on va juste faire un skill 2. On va pas faire skill 3. Voilà. Et ici, vu qu'il va faire skill 2, on a peu de chance de la stun. On va juste faire skill 1 ici. En vrai, normalement, on met du destroy cette compo, c'est pas mal. Là, ça sert à rien de mettre la bombe. On va juste cycler. Voilà. Là, on va juste faire un petit skill 1. On n'a rien à faire. On a juste à temporiser, parce qu'il est très lent. Voilà. Et maintenant, on va aller strip la Triana et on va aller sur la Triana. On peut juste faire un skill 3. Voilà. Bon, on a enlevé le debuff qu'on voulait. On met la bombe. Voilà. Et là, tu vois, on peut déjà faire péter. Ouf. On n'a pas eu le stun, mais on a eu le taunt. Du coup, là maintenant, on peut aller hop là, là-dessus. Et on va la tuer le plus vite possible. Faut voir, arrête de proc. Très bien. Normalement, on devrait tuer. Ok. On va juste mettre une bombe maintenant sur le Vigor. On va taper là. Voilà, on va skill 2. Hop. Et puis voilà, on va sur le Vigor maintenant, tranquille. Hop. Hop. Là. On va prendre. Il va prendre toute l'attaque et toute la défense au mon mob. Mais mon mob est full HP. Et du coup, bah, tu vois, il tanque encore bien. On peut skill 2 là et on va aller skill 3 ici. Je pense que ça meurt de la bombe. Aussi, je fais un petit skill 1 là. Voilà, on met une bombe ici et on fait péter. Et on est plutôt pas mal. Allez, 10e dernière offense. On est contre une Bénédicte Nora Chandra. On va y aller avec une Devraja robot d'arc et Anne. Donc là, j'ai mis le runage de RTA. Le wheel sera rien. Clairement, on aura le premier tour. Multit à gauche à droite. On a le robot en suivre très rapide. Multit à gauche à droite. Il Devraja en vio focus avec à gauche une petite réduction light et à droite un peu d'accuracy skill 2. Objectif cleave. Allez, du coup, robot, t'as un seul job. Eh bien, on va skill 3. Ça, c'est vraiment tanky là à droite. Là, t'as vu? Ça sera pas suffisamment tanky, mais ça l'est quand même un petit peu. Hop, on n'arrive pas à taunt la Nora, c'est un peu embêtant. On va aller tuer ça direct, c'est quoi? Voilà. Et est-ce qu'on peut taunt ça plutôt? Non, ok, bon, pas de soucis. C'est bon, c'est ok. Ok, ça provio. Oh, ça provio, ok. Chill. On va aller là à gauche, c'est quoi? Sans revenge, ok, revenge. Je vais mourir des dots, ça continue. Ok, on va taper là. En vrai, si on tue là à gauche, on est fine, non? Ok, c'est mort. Bon, on va pas se faire solo. Nora, quand même. Peut-on tout compliqué? Ok, c'est fine. La Nora m'a legit solo, hein, juste avec ses dots. Il y a juste à le dire, parce qu'elle proc tous les tours. Regardez-moi ça. C'est incroyable.
Je suis en train de mourir, vraiment. Je suis en train de me faire solo par une Nora. Incroyable. Bon, je vais spell avec normalement le Han, donc du coup, normalement, ça devrait mourir. Ok, parfait. Bon, du coup, fin du siège, 9 sur 10. Ok, on a perdu contre Messelos, mais c'est pas grave, ça arrive, c'est la vie. Hein. C'est Laura, après tout, Laura, c'est broken, même en siège. Donc, c'est normal qu'on perde. En vrai de vrai, ça arrive de se faire l'Oxac. C'est comme ça, ça arrive. Pour l'issue du siège, bah écoutez, Gozarmi et Leibu se font petit 1v1 là pour la deuxième place. Je pense que c'est Leibu qui gagne, non? Attendez, il reste quoi à taper? Oh, oh, en vrai, c'est super close. Hein. Wow. Au niveau du win rate, on voit quand même que Leibu mérite un peu plus. Hein. En vrai de vrai. Du coup, nous, on va terminer premier. J'ai ou deux guilds, le siège était super fun. J'espère en tout cas que toi, cette petite vidéo t'as plu. Si c'est le cas, ben n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu et tu te souviens pas de tes titos.